Bonjour, bonjour les enfants, c'est Caroline. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire une histoire, ce petit livre qui s'appelle Maman, c'est toi? Alors, c'est Michaël Escoffier qui a inventé l'histoire, qui a écrit l'histoire. Et c'est un autre monsieur qui s'appelle Mathieu Maudet qui a fait les illustrations. Il a dessiné tous les dessins du livre. Alors, dans ce petit livre, vous allez découvrir un enfant. Donc, c'est l'histoire d'un petit enfant qui porte un drôle de chapeau sur la tête et qui est parti à la recherche de quelqu'un. Il cherche quelqu'un, vous allez vite deviner de qui il s'agit. Alors, il va rencontrer beaucoup d'animaux. Je vais vous dire le nom des animaux qu'il va rencontrer. Tout d'abord, il va rencontrer trois poussins, puis un mouton. Un canard, une vache, un chat, un âne et un cochon. Et après, il va trouver quelqu'un. Alors, vous êtes prêts? Allez, je commence la lecture. Maman? 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 Mais... Maman? Coin, 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 coin. Maman? Meuh. Maman? Maman? Et en... Et en... Maman? Maman! Maman, c'est toi? Oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que ce chapeau est trop grand. Mais non, il est parfait. Allez, file, ton père t'attend. Papa? Et l'histoire est terminée. C'était l'histoire de ce petit enfant et le titre c'est Maman, c'est toi? Au revoir, à tout bientôt.